Et yo tout le monde, c'est Poupcorn, du coup on se retrouve pour l'épisode 18 du tuto sur RimWorld. Voilà, je lance juste le chrono. Bon, si vous n'avez pas voté, encore une fois, si vous n'avez pas voté dans J'ai besoin de vous, c'est le dernier moment. Donc si vous regardez la vidéo le jour même, votez vite. Et que vous n'avez pas voté, votez vite. Merci, c'est tout. Bon, au dernier épisode, on a fait quoi? On a fait le tissu, enfin là, notre tissu commence à être récolté. Et on va commencer à faire la balise orbitale et on a acheté un renard arctique qu'on va entraîner à mort. Évidemment. Par contre, attendez, est-ce que je peux faire... On va faire un lit. Parce que là, regardez, la restriction des animaux, ils sont tous en zone animale sauf mon loup arctique. Ça veut dire... Enfin, mon renard arctique, par contre. Pardon. Du coup, ça veut dire que ça va être le seul à pouvoir entrer dans notre base. Donc le seul à pouvoir dégueulasser le sol. Mais... Si je fais un lit pour animaux, qui est ici, ça va être le seul à pouvoir aller dedans. Donc, j'aimerais bien avoir un tissu d'une belle couleur. Cuir de gazelle. Ça coûte combien, les lits pour animaux? Ça en coûte 45, donc déjà, je peux pas tout utiliser. On peut utiliser le cuir de singe. Après, tout le reste, c'est des teintes de gris un peu trop communs, j'aime pas trop. Donc, on va utiliser du cuir de singe. Et on va le mettre dans la chambre de Dudley. Voilà, on va le mettre là. Vandervaar, c'était notre constructeur, logiquement. Voilà, tu vas nous apporter ça. On va faire du cuir de singe, ça va être assez sympa. Voilà, en plus il est en quoi? Dis-moi que t'as fait. Médiocre. Je peux pas en faire un, hein, dommage. Et là, non, notre. Tu vas manger et tu vas aller dormir. Toi, bon, eux, ils m'ont dégueulassé leur base avec leurs animaux, ça me saoule un peu. Et. Toi, bah, tu te balades. Normalement. Toi, Nicole, tu vas me transporter ça déjà. Ah oui, bah, tu le transportes ici, logique. On a 100 repas. Bon, on peut arrêter là. Enfin, on peut arrêter là. On peut attendre pour un moment. On va juste transporter la viande parce que c'est ce qui périme le plus vite. Et puis les baies, tant qu'on y est. Voilà. Donc, toi, Broody, t'en es où? Le tissu par contre périme très vite dehors, du coup faut le ramasser le plus vite possible. Et du coup je dis ça et je ramasse les herbes médicinales. C'est parce que je préfère, enfin je trouve ça plus important en tout cas les herbes médicinales que le tissu. On peut voir que... Ah c'est déjà à 78 alors que je viens de le récolter. Vraiment à l'instant donc bon. Essayez vraiment prenez vos quatre colons, transportez tout dans vos réserves. Puis vous serez bon. Par contre Dudley je vais pas la réveiller parce que déjà qu'elle n'a pas dormi au dernier. Pourquoi? Parce que j'avais oublié. Je l'ai mis en... Je l'ai laissé faire tourner sur la... À la cuisine. Je vais continuer à chasser le singe parce que j'aime bien son cuir. Hop. Puis on a besoin de viande, hein. Ça, c'est l'excuse, évidemment. Non, non, c'est juste pour son cuir. Hein. Par contre, la viande, j'utiliserai. Ici, on a quoi? On a des singes qui vont être chassés. Ils sont deux, là où je rêve. Ah non, il y a une singe et une guenon. Ok. Enfin, oui, donc, du coup, ils sont deux. Il n'y aurait pas d'autres singes ou alors d'autres animaux avec une plus belle un plus beau cuir. Par contre, j'ai vendu tout. Ah non, il me reste deux alpagas. Parce que j'allais dire sinon j'ai plus de revenus entre guillemets de laine d'alpaga, mais en vrai c'est pas très grave. Hein. Toi non, on n'a pas un singe là. Puis je vais sûrement aller dans les autres biomes là pour les juste pour aller chercher du cuir ou des animaux que j'ai envie de faire une formation de guerre avec des éléphants. Ou alors ça sera peut-être une série totalement dédiée à ça, où je fais que des animaux de guerre. Par contre, nettoyez-moi cette base. Je vous promets, nettoyez-la moi. Genre... Et là, regardez, hein, la boue, elle est que là où les commerçants sont passés. Par contre, maintenant, le renard arctique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va laisser de la boue. C'est assez sale. Alors, je ne sais plus, c'est quoi les stats pour voir où est-ce que ça... Enfin, quelle est leur saleté? Je crois c'est ça. 0,62. Je ne sais plus si c'est gros, c'est quoi. En tout cas, c'est 0,62. Voilà. En tout cas, c'est un petit animal vu qu'il peut pas se courir. Donc, logiquement, il salit moins. Ok, on a la console. Donc, qui est reliée à l'énergie, évidemment. Nos batteries sont toujours bien. Je devrais juste... Énergie produite 1700, toi. 1700. Bon, au pire, ils vont le réparer assez vite. C'est pas très grave.
Alors juste, je vais vous montrer ce que fait la console de communication. Hop. Appeler. Blade des acrobates. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je me disais qu'il y en avait un en trop, mais non. Regardez. Bon, on va appeler un truc au pif, ok? Donc soit, en gros, soit ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un cadeau et on va gagner 10 ou 11 de... d'affinité, donc si vous voulez devenir ami par exemple, mais là ils me disent oui, vous avez besoin de 300 unités d'argent, mais j'ai 300 unités d'argent, sauf que, vous vous rappelez, j'ai dit à la dernière vidéo que il faut la balise orbitale, donc faut qu'il y ait 300 dans la balise orbitale, ou alors je peux demander une caravane marchande, donc pour beaucoup plus cher, et je choisis ma caravane marchande, donc par exemple je peux appeler des grossistes, ou enfin ça dépend en fait, je peux appeler vraiment beaucoup de caravanes, par contre ils mettent du temps à arriver, c'est ce qu'il faut savoir. Mais par exemple, pour faire le vaisseau, vous allez avoir besoin de beaucoup de métaux. Et pour ça, vous pouvez appeler des caravanes marchandes pour essayer de trouver les matériaux s'ils les ont. Vous voyez ou pas? Par contre, c'est vraiment pas sûr qu'ils les aient. Hein. Genre là, par contre, vous n'allez pas pouvoir être assuré du coup. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire un nouveau truc de singe. Toi, du coup, on va te désinstaller et on va en réinstaller, mais la même. Voir si tu fais mieux. Vandervarst, tu me transportes ça. Tu vas me faire ça. J'espère que tu vas faire mieux. Parce que c'est pour ça que je le fais. Hein. Me dis pas que t'as fait médiocre. Normal, c'est déjà mieux. Du coup, toi, tu vas le désinstaller. Tu vas le réinstaller ici. Et toi, tu vas apporter le lit pour animaux et le transporter aussi. Bon, tu dois dormir, mais bon, là, on l'a fait vraiment lever 2 secondes. Et ça, bah, si on a un autre animal, par exemple, bah, je le mettrais ou alors je le vendrais tout simplement. Mais autant qu'il soit normal, ça sera bien mieux. Il y a de la boue ici. Il y a 2 de boue. On peut voir quand même que les roses donnent 14 de beauté. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Et les lys donnent 3. Voilà, tu vas me mettre des roses ici déjà. Hop, les roses, merci. Donc là, juste si on nettoie leur chambre, j'aimerais bien juste nettoyer leur chambre pour voir comment elle est leur chambre. Donc, là on peut voir que bah, le 14 de beauté donne beaucoup. Hein. Donc, luxe et descente, splendeur. Franchement, les 14 de beauté c'est vraiment important. On peut voir que le loup arctique, il fait rien, mais en tout cas il est bien ici. Et je vous avais dit, bah, c'est le seul à pouvoir dormir ici. Par contre, si vous faites, si les autres animaux peuvent venir ici, par exemple, et bah, ça va être le premier qui va, en fait. Donc là, par contre, on a de la bière. Et la bière, il va falloir que je commence à la traiter. Donc, on va faire... Est-ce qu'on fait brassage? Pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin de mes mitraillettes. Hein. Les raids sont vraiment faciles. Donc bon, les mitraillettes sont vraiment pas un souci pour l'instant. Donc, par contre, on va faire le sol. On va faire vraiment... On va essayer aujourd'hui là de faire tout le sol dans cet épisode. Là, c'est bien. Là, Dudley, tu mines tout. Tu fais pas ton chien en miner que un. Bon, du coup, il faut que ta femme... C'est ta femme, je regardais bien si c'était un mâle. Hop, il faut vraiment que tu fasses les murs, du coup. Par contre... Ouais, tu vas juste enlever ce caillou. Enlever ce caillou, hein, comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon... Sinon, eh ben, il va pas la porter. Voilà, tu m'en fais 4, c'est bien. Le reste, tu veux pas en faire. Ça, faut le transporter. C'est quasiment le seul endroit où vous faites vos... où vous passez pour le truc. Pour le frigo, pardon. Et du coup, il va le slalomer, il va perdre du temps. Et comme tout le monde qui passe par là, soit pour prendre à manger, soit pour faire à manger, vous perdez vraiment beaucoup de temps. Du coup, enlevez ça. Surtout devant les portes en fait. Faut surtout enlever les gravats rocheux devant les portes. Et sur les allées principales là par exemple, c'est très mal optimisé. Mais bon, je fais ce que je veux. De toute façon c'est ma chaîne. Hop. On fait ça. On fait ça. Est-ce que tu m'as fait tous les murs ici? Ok. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose notre base hein, franchement. Par contre le sol. On va s'occuper du sol. Pour les prisons je vais pas mettre des tapis hein. Que ça soit clair, on va mettre sûrement des pavés sur les routes et les allées extérieures. On va mettre du carrelage en grès. C'est moche. Mais bon, c'est des prisonniers.
Je vais pas leur mettre des tapis, genre, et des dalles en béton. Bon, ça utilise du métal, ça va. Faut pas abuser non plus. Par contre, va falloir que tu fasses ça. Tu m'arrangerais. Ah, tu me fais les trous au moins. Comme ça, il les fait en diagonale. Du coup, on va mettre du carrelage en grès. Parce que c'est des prisonniers, je les traite comme je veux. Et ici, si t'as été prisonnier, soit c'est pour te recruter et bah. Et que je t'aime bien, mais on s'en fout, t'es dans la prison. Par contre, si je te recrute et que je t'aime pas, fais gaffe. Tu vas sûrement mourir très violemment. Faudrait que je fasse. Oh là là, faut que je fasse un truc. Faut que je fasse absolument une. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse un endroit où brûler mes prisonniers. Ou les torturer. Simplement pour le fun. Je suis pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Me regardez pas bizarrement. Mais je sais pas. C'est des prisonniers. Ils m'ont attaqué. Ils ont peut-être blessé un de mes colons. Il faut que je me venge. Tapis crème foncée. Je pense pour les recherches, tapis crème foncée c'est bien. Le rouge pour la cuisine, je trouve ça va bien avec le sang bouché et tout. Les cailloux, on peut mettre quoi? Les chambres d'habitude je le mettais en tapis mais c'était trop long et du coup là le revêtement en bois je l'aime bien comme ça. On va sûrement faire le tapis crème pour les allées. On va faire ça. On va faire que les allées principales soient en blanc. Donc tout ce qui est là. Enfin toutes les allées sont en blanc, donc même ici. Et les salles aient d'autres couleurs. Plus référencé à ce qu'ils font. Donc la table, la salle à manger, je trouve en vert, ça va bien. Par contre, le tissu, est-ce que vous avez tout récolté? Ok. Par contre, vous me transportez tout le tissu possible et inimaginable. J'en ai rien à faire. Vous allez faire le nombre de d'aller-retours possible. 2000. Sachant qu'ils retransportent tous 75, vous allez faire plus de 20 allers-retours. Allez, vous êtes 4 hein. Ça va y aller, hein. Toute une journée vous allez faire ça, j'ai rien à faire. Vous me transportez tout mon tissu. C'est bon? Se repose, bon ok, toi tu te reposes. Mais tu vas quand même transporter du tissu toi. J'ai pas trop envie qu'il pète des câbles donc bon. Toi tu manges? Ouais, tu manges dans un coin, t'es content. Eh bah non. T'as cru que c'était fini? Eh bah non. Elle est où Nicole? Transport tissu, transport tissu, transport tissu. 15 tissus. Tu transportes 15 tissus, tu vas voir. Qui mange plat raffiné? Ouais bon vas-y, mange plat raffiné. Chasse guenon. Non 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 non. Là vous allez travailler à la chaîne. Hein. Oh bah y'a un mariage. Vous célébrez? Et bah vous célébrez pas. Vous transportez du tissu. C'est... Vous voulez célébrer le mariage? Eh bah ben non. Dommage, il y a d'autres trucs à faire. Assiste R. Pourtant c'est ton mariage hein. Toute seule. Bon eh, on va les laisser, ça se fait pas franchement. Il célèbre un mariage. Voilà, clap 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 dans la salle à manger. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Dudley et Vander. Vanderkvast. Attends. J'ai vu un bon truc là. Insulter Nicole. Et paf. T'arrives à son mariage tout content et tout. Il t'insulte direct. Paf. Une petite insulte comme ça. Ça fait toujours plaisir. Allez, t'es offensé. Dudley, il aime personne. Tous ceux qui sont venus à son mariage, il les a insultés, il les a offensés. Et toc. À mon mariage, je vais vous insulter tous. Mais c'est sympa hein. Il est sympa de le laisser. C'est un homme archi sympa. Pourquoi il... Il est cru non? Cupide. Non. Parce qu'il y a une ah, comment ça s'appelle? Un élément marquant qui peut faire qu'il aime bien insulter les autres. Pas... Oh, du houblon. Cool. Donc là,
On commence à faire de la bière. On commence à faire tous les tissus. Ça va partir en sucette, les gars. Puis à la fin, je vais commencer à faire de la drogue aussi. Oh là 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 là. Non, je la fais pas la drogue, hein, par contre. Par contre, là, je fais des bières. Par contre, on a intérêt à mettre un radiateur dans la zone à bière. La zone à bière qui sera ici. Là, ça va être faire la bière. Et ici, ça va être comment la stocker. Du coup, Nicole, tu fais quoi? Tu te reposes. Nicole, t'as pas compris encore notre base, hein, c'est pas bien. Et regardez, hein, je les fais travailler à la chaîne, regardez. Besoin. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils sont mariés, en fait. Mariés, lune de lune de miel, vous transportez du tissu. Salle de jeu, descente. Ah, bah, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, a eu tes amourettes. Assister à un mariage, 20. Et bah, voilà. Et du coup, vous êtes tous contents, et paf! Bah, du coup, je vais utiliser votre bonheur, hein, j'ai rien à faire. Comme ils sont contents, bah autant les faire travailler un petit peu plus quoi. Franchement, ils sont contents, ils ont pas à se plaindre. Et pof! Travailler 2 heures de plus par jour. Tu me transportes tout, hein, j'ai rien à faire. Mange plat raffiné. Bon, toi, enfin, par contre, vous avez le droit de manger. Ah, j'ai lu, transporte 76 tissus, j'étais pas bien. Se repose. Non, non, non. De là, tu te reposes. C'est. Mais c'est. Ah, ils sont innocents. Par contre, avec 2000. Punaise, il est déjà à 48, hein. Vous pouvez voir qu'on va pouvoir bien, bien faire des tapis, quoi. Ça va être vraiment pas mal. Par contre, bon, allez, vous reposez, sinon vous avez pété un câble. Toi, tu chasses? Brody, tu fais quoi? T'es en loisir? Bon, dors. Je suis pas si méchant que ça, quand même. Hey. Que je ramasse le houblon aussi. 55. Transporte le tissu comme d'hab. Je l'ai fait vraiment loin, mon champ de coton. C'était peut-être pas la meilleure idée. Faut que Van der Waart elle fasse les recherches pour la bière. Et on sera bon. Et après, faut que je fasse les capsules. Faut que je fasse pas mal de trucs encore. Hein. J'ai encore pas mal de trucs à faire pour rendre notre base correcte. Voilà. Ah, bah voilà, vous êtes réveillés, c'est bon. Du coup, et paf! Vous retravaillez. Bon, par contre, ça va commencer à m'énerver. C'est chiant quand même à la fin. Et ici, il y a combien de houblons? 135, en 2 allers-retours, c'est bon. Nicole, tu vas me. On va juste faire ça, le houblon. Et il y a qui fait rien? Dudley fabrique une chemise. Par contre. Normalement, ils peuvent. Est-ce qu'ils peuvent utiliser le tissu? Tissu, tissu, tissu. Il faut pas qu'ils utilisent le tissu. Tissu, c'est tapis. Et chapeau melon, il m'a dit qu'il avait fini d'en faire un. Il a dit que. Attendez. Il a dit qu'il avait fini d'en faire. Sachant que j'en ai vendu. Mais il me semble qu'il en restait un dans la commande lorsque je l'aurais vendu. Enfin, il restait un dans la commande. Ah, il est ici. Voilà, c'est ce que je me disais. Il restait un dans la commande ici, là. Et. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, hein. Il y a plein de boue. Mais ça c'est le renard arctique en général. Enfin, la boue, c'est. Vous pouvez voir qu'avec enfin, avec l'arrivée du renard arctique, c'est bien plus sale qu'avant, quoi. Donc, il est quand même bien crade, le renard. Mais bon, tant qu'on nettoie en fait derrière, ça prend vraiment 2 secondes à nettoyer, donc c'est pas un souci. Et mon renard arctique, je le veux compétent. Je veux qu'il se repose, qu'il ait des massages tous les jours. Et après, ça file droit. Il va nous faire des. Il va te faire des massacres. Faut absolument que je fasse une série sur. Il me faut des combattants de guerre. Où je fais une armée de combattants en fait. Chasse des guenons. Non, tu chasses pas toi. Mange plat raffiné. Bon, t'as le droit de manger. Fabrique une chemise. Il en reste combien? 139, ça va. Je pense qu'en deux colons, ça aurait été bon, mais ça, c'est pas très grave. Toi, t'en as combien? T'en as 60, voilà. T'en as pas besoin. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas transporter le bois. Et toi, tu vas lâcher ça. Tu vas transporter le tissu. Non, non, voilà. Tu le fais pas avec. Et là, si je fais ça, tu prends tout. Ok. On a transporté tout le tissu, on est bon.
Enfin, on a tout le houblon. Non. Ouais, c'est pas mal ça. Toi, tu me fais tout le sol. Faudrait faire ça aussi. Oumalope femelle est enceinte. Normal, comme d'hab. De toute façon, hein. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Essayez pas de faire trop de salles de tapis après. Genre, si là. Et en plus, regardez. Là c'est moche. Il y a les casques qu'il faut qu'elle fasse et tout. Donc là, je pourrais mettre, hein, si je veux, le. Voilà. Vers ça. Sauf que regardez, si tout le temps dans la base j'ai ça, ça va pas être beau. Plus j'avais 2200, je pense que toute cette allée, je peux la faire. Hop. Toi, tu nous fais quoi? Chemise. L'autre chemise, tu nous en as fait une médiocre. Encore enceinte, de toute façon. C'est la saison. On est en quoi? On est au printemps, saison des amours. Hop, on va faire un pantalon. On va faire des nouveaux pantalons pour mes colons. Tu me fais tout le sol, c'est parfait. Ça taffe bien actuellement. Franchement, notre base, elle avance vraiment bien. Je suis assez content de ça. Normalement, je pense là, vu le temps que je mets, je pense qu'il y aura 30 épisodes dans cette série. Une petite trentaine, je pense que ça suffira. Et au bout d'une trentaine, on aura fait le vaisseau et on partira. Et à ce moment-là, je vous ferai encore un sondage pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Sauf que la série Rimworld, le tuto, va se faire remplacer par une série Rimworld de base. Donc bon. Hop, tu nettoies tout ça. On est bon. Mais quelle série Rimworld? On verra tout ça plus tard. 81. On a masse bouffe. Gem fuel, c'est toujours bien. C'est quoi ça? Ça, c'est l'houblon. Ouais. Et les recherches, Vandervas, faudrait que tu le fasses. Ah, c'est Nicole qui fait les recherches. Tu fais quoi? Ah oui, tu chasses. Tu es une chasseuse, toi. T'as fini de tout chasser. Ah, Alpha Castor, ok. Donc ça, faut tous les chasser. Pourquoi? Parce que il te bouffe tous tes arbres. Et à une vitesse... À une vitesse. Il vous les démolit. Vous allez voir très vite que là, le temps que j'arrive et que je les tue tous, il n'y aura plus d'arbres tout là. Par contre, faites gaffe, ils peuvent se venger. Ils peuvent. Ils sont pas obligés de se venger, mais je me suis déjà pris des vengeances. Sachant que s'ils se vengent, c'est toute la colonie qu'ils font sur vous. Comme tous les animaux, en fait. Pourquoi je les ai désenrôlés? Je commence. Hop. Wow. Ah non, il y a un trou ici, mais ça a pas l'air d'être là, le danger antique. Ok, on chasse tout. C'est des dévoreurs. C'est pour ça que c'est qualifié en danger. C'est parce que ça bouffe tous vos arbres, en fait. Ok. Regardez, hein. Ils ont déjà fini tous les arbres qu'il y a ici. Hein. Ok, toi tu sais pas quoi chasser. C'est pas normal. On chasse tout, de toute façon on tue tout. Ok, il y en a déjà un de mort. Toi tu me chasses lui. Vous tirez sur tout le monde, hein. Y allez pas au corps à corps. De toute façon, tous les animaux, là par exemple, ils se vengent pas. Mais il y a des animaux qui se vengent lorsqu'on leur tire dessus, par exemple. Mais si vous les attaquez au corps à corps, tous les animaux vont vous taper en retour. Même un rat, que vous arrivez, vous essayez de mettre un coup de couteau, il va essayer de se venger. Alors que si vous lui mettez un coup de fusil et qu'il meurt pas, il se vengera pas. Pistolet, toi tu vas me chasser lui. Merci. Toi, il en reste là. Toi, il en reste là. Ok. Et après on les transporte, on les mange évidemment. Et on finira l'épisode là-dessus. Et après évidemment. Lorsque j'aurai fini de chasser. Est-ce que vous pouvez savoir viser s'il vous plaît? Je préfère garder une distance respectable. On chasse les plus près de toute façon. Ok, toi tu t'es fait chasser. Toi. De toute façon là ils sont assez mal en point. Ils ont quasiment tous une balle dans les pieds. Ok, toi t'es mort. Et après on va y aller au couteau. Hein, pour tous les achever. Il y a Brody qui va arriver, qui va pas les secourir. On va attendre qu'ils dorment. Surtout que eux... Non, eux ça va, c'est leur temps de... C'est leur temps où ils doivent travailler. Donc ça va, ils vont pas péter un câble. Au lieu de cliquer sur attaquer, je clique sur désenrôler quoi. Toucher. Ok, là normalement on risque plus rien.
S'il y en a qui nous foncent dessus, ils vont vraiment pas être beaucoup. Toi, tu vas me chasser lui. Toi, tu vas me chasser. Là, il en reste 3. Non, il en reste 4. J'avais pas vu lui. Ok, moins 1. Tu vas pas me chasser lui parce que il peut tirer sur deux de lèvres vu comment ils savent pas viser, évidemment. Ah, lui il dort. Je me suis dit qu'il était mort, mais non. Ok. Toi, tu vas me tirer sur lui. Et toi, sur lui. Et là, normalement, on a tué tout. Voilà, vengeance d'Alpha Castor, je vous en avais parlé. Sauf que bon, quand il se venge et qu'il est tout seul, en général, ça passe quoi. Hop, prioriser le transport. Tu priorises le transport. Tu priorises le transport et on est bon. Voilà. Par contre, vous transportez bien tous un Alpha Castor, c'est bon. Toi, bah, tu vas en ramener un. Et voilà. Petit. Donc voilà, les Alpha Castor autour sont devenus enragés. Faites gaffe. C'est pour ça que je gardais la distance. Je vous le répète. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas l'abonnement, pouce bleu, commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut !